Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui, on continue l'aventure The Last of Us avec cet épisode 5. Et nous sommes toujours avec Bill, qui doit nous montrer quelque chose. Une bombe à clous. Une bombe à clous. Bombe à clous. Attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. D'accord. Alors, ces bombes puissantes explosent dès qu'un ennemi approche, ok. Ouais, bah je la lance comme d'hab. Ah, je peux même la lancer au sol. Le point stratégique avec R2, d'accord. Ok. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, ouais? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Oh, c'est quoi tout ça? Des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Quelques mois en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se crasher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Joël veut une caisse! Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont... Il me manque quelque chose pour... Ça pourrait marcher. Ouais, non, je suis coincé ici. Je ne peux pas améliorer. Alors, du coup, tu m'as montré un peu d'autres endroits, Bill. Donc, je vais voir. Non. Bon. Peut-être en face, là-bas. Je pense que j'y suis pas allé. Oh là là, oui, il y a des trucs. C'est quoi ça? Ah, dégueu. Ça s'approche pas trop. Oh, des flèches. Alors personnellement, j'aime pas trop l'arc pour le moment. On va voir un peu plus tard. Ah oui, j'ai obtenu un outil de niveau. Ok, bah, je pense qu'on peut retourner à la table. On va voir ce qu'on va pouvoir concocter. Voyons ce qu'on a là. Non, il me manque des choses. Du recul, oh. Pff. Et la recharge, oui, on peut peut-être améliorer ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ça devrait nous aider. Oui, un petit peu. Allez, on y va. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Eh, hey, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai. Non. Non, tu te débrouilles. La petite essaie de gérer toute seule. Pour changer. Ah bah non, c'est bien. Sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Allez, rassemblez vos affaires. C'est bon, je suis prêt moi. Allez, viens. Là. C'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien. Oh, la vache. Allez, viens. T'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Oui, je pense aussi. Comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a au sol là? Je m'en occupe. Vous entendez ça? Silence. Et il y avait une brique. Ah, j'avais peut-être la brique avant. Ah!
Oh la vache! Je sais pas par où il faut aller. Est-ce qu'il faut aller par là? Non, faut pas aller par là. Alors attends, parce que j'ai vu quelque chose ici. Attendez, j'ai la clé de cette porte. Il va falloir que je me dise. Oh, ils peuvent passer face. Oh oh. Doucement, doucement. Eh ben mon Dieu! Ah ouais, c'est quand même... Oula! Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas de... Ils sont trois ici. Moi, je pense que les claqueurs... Ça va. J'ai pas été assez rapide, je pense. Bah ouais, je pensais même qu'il fallait aller sur le dessus. Faut pas aller par là, c'est bizarre. Vous aider à buter ces enfoirés. La ferme boucle là. Encore un pendentif des lucioles. Ok.
C'est pas un endroit qu'on avait déjà fait, ça? Oh oh. Non! Quand même, c'est très spécial parce que c'est pas facile. Ouais, je vais me refaire un sur un, je vais me refaire un deux. Il est d'une violence, ce Joël. Alors. La question que je me pose, c'est où il faut aller ? Alors, ce qui me rend un peu triste par rapport à d'autres jeux comme ça de zombies, c'est le fait que on ne puisse pas garder toutes les armes, toutes les munitions si vous préférez. Je trouve ça un peu dommage. Vous voyez, un jeu comme Resident Evil, le premier en tout cas. C'est bloqué. Et si on passait par là? Quoi, la chatière? C'est toi qui vois, Joël. Bah, elle peut passer. Très attention. T'inquiète. Bah là, faudra peut-être. Tu filer un flingue. Bah oui. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Merde. Ils nous ont pas encore repérés. Faites gaffe. Attention. Il bouge pas. Alors j'ai pas un truc, quelque chose pour que dalle. Bon, je vais essayer de surprendre peut-être en passant par là. Non. Celui-là, il n'avait rien. Est-ce que vous me donnez encore des petites choses ou pas? Apparemment, non. Ah, il y en a un.
Autre là. Lui, je sais pas par où il est passé. J'en ai perdu un. Mais je pense que je vais pouvoir le refaire. On va voir ça tout de suite. Non, il n'y a rien dans les toilettes. Ah, il y a des petits trucs ici. Allez, on grimpe. Ok. Qui a bien pu laisser ça ici? Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. Il faut qu'on entre. Allez, allez. Bien. Hey, Joël. Ouais. Ouais, non, mais attends. Tu fais pas toutes les pièces. Alors, c'est quoi que j'ai à fond? Ah, il me manque un petit truc pour faire l'explosif. Dommage. Ça serait bien d'avoir un claqueur pas trop loin. Ah, il y a une petite note. Journal d'un garçon. C'est officiel, l'école est fermée pour une durée indéterminée. Cette épidémie aura au moins eu un effet positif. Pas d'école, pas de devoirs. Et ça me va très bien. C'est bizarre, hein, ça ressemble à ce qu'on a vécu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? Faire des vidéos sur YouTube. Maman et papa se sont disputés, ils se criaient dessus tout en chuchotant. Bizarre, j'ai cru comprendre que maman voulait aller chez sa sœur, papa lui a dit qu'on était en sécurité ici, que l'épidémie nous atteindrait pas. Papa m'a engueulé parce que j'écoutais la radio, il dit que les infos racontent que des conneries. Ouais, ça me rappelle quelque chose, ça aussi. Maman lui a donné raison en essayant d'être convaincante, mais je sais qu'elle flippe. Ils flippent tous les deux. Je crois que papa s'en veut pour hier. Gadget a dormi dans mon lit et papa n'a rien dit. Il est entré, l'a caressé, assoupré et il est reparti. Je l'ai jamais vu comme ça. Papa consolait maman hier soir. Tante Karen est morte, du moins c'est ce que je crois avoir entendu. Au petit déjeuner, personne ne disait rien, comme si rien ne s'était passé. J'ai joué le jeu. 15 octobre, l'officier Jones est venu parler à papa, ou plutôt il est venu chuchoter avec lui. C'est la mode ces jours-ci. Ensuite, papa nous a dit qu'on devait quitter la ville, changer de maison et que les militaires nous protégeraient. J'ai le droit d'emporter un 15 sac, maman n'a pas réagi. 16 octobre, où on va, les animaux ne sont pas admis, on est allé jusqu'à la sortie de la ville avec Gadget, je lui ai enlevé son collier et je l'ai laissé partir. Sur le retour, papa n'a pas arrêté de dire qu'il irait bien, qu'il était fait pour vivre dans la nature en liberté. N'importe quoi. 17 octobre, c'est l'heure, papa dit qu'on sera de retour en un rien de temps. Je crois qu'il se gourre. Ben en effet, t'es jamais revenu. Donc oui, papa s'est trompé. Ça arrive. Eh, je peux te parler une seconde? Oui, oui, vas-y. Cause. Pas maintenant, Ellie. D'accord. Alors elle me parle alors que je suis à l'autre bout de la pièce. C'est pas mal. Enfin, de la maison. Vous voyez, là, je suis plein en carabine, c'est quand même... Là, je suis plein en surin, ça m'énerve, ça, par contre. J'ai besoin d'un coup de main. Non, je vais pas prendre ça. T'as besoin d'un coup de main, j'arrive, Coco.
Alors, s'il y a un claqueur, je me le fais. Oh la vache! Voilà le camion, juste devant le lycée là-bas. Ça grouille d'infecté là-haut. Essayez de pas faire de bruit. On va essayer de se prendre celui-là. On va essayer de se les faire au fur et à mesure. Moi j'y vais au coup de poing. Bon bah on les a tous eus. L'horreur, putain. Bon, moi je trouve que ça a été assez simple. Alors c'est bizarre, il me semble avoir vu un claqueur pourtant. J'ai ma petite lumière qui est allumée. Ça servait pas à grand chose. Oh, comment c'était joli ça. Que ça. Il se planque peut-être ailleurs. Vaut mieux pas prendre de risques. Comment on fait pour entrer? Bizarre qu'on n'ait pas vu un seul claqueur. Fais-moi grimper pour que je la descende. Quelle belle équipe! Essaie de ne pas te faire tuer. Merci, Bill. Tout va bien. Il faut qu'on accède au capot du camion. Merde, vous entendez? Ils arrivent! Vite, petit! Merde! Notre vitesse, on récupère la batterie et on fiche le code ici! Ah! Merde! Ils sont en train de s'agglutiner tout à l'arrière! Il faut qu'on entre pour atteindre la batterie! Allez, Bill! C'est bon, on peut y aller! Vite! Joël, on a trouvé comment entrer! Dépêche-toi! Allez, dis-moi que t'as fini! J'ai dit quoi?
J'ai vu, putain. Les gars. Bill, on va où? On va où? Pas là, en tout cas. Allez, mine-toi, tu viens. Bon, passons par derrière. Vous deux, suivez-moi. Je vais nous faire sortir de là. Des coureurs. C'est confus, hein. Comment je fais pour me soigner déjà? Oui, c'est comme ça. Dans le couloir, on pourrait passer par les salles de classe. C'est pas par là. C'est pas par en haut. Non, c'est pas par en haut. On doit passer par les salles de classe, il a dit. Ici. Il y a un passage. Il faut qu'on se démerde pour passer. Cool. Sur un, il m'en reste qu'un. Qu'est-ce qu'il y avait au sol là? Non. Je reprends ça. Je vais essayer de me confectionner un sur un si je peux. Il y a autre chose ici. On avance. Non, ça je n'ai pas besoin. On dirait qu'il y a un passage dans le couloir. Moi j'arrive pas à l'avoir alors toi tu peux. Oh, putain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Aide-moi à l'ouvrir. Ok, prêt? Encore. Allez. Un autre en chemin. Barricadez les portes. Ça marchera pas longtemps. C'est pas bon signe. C'est quoi ça? C'est
Je suis mort. Oh là. C'est quoi ce truc? Ah oui, il est mort. Ça fait longtemps qu'il est infecté. On les appelle les colosses. Un colosse. Ok, figé. Vraiment navré d'interrompre votre cours de biologie, mais j'aimerais foutre le camp d'ici. Vite. Ouais, attends, Sur les gradins. Aide-moi, Joël. Allez, on y va. Ok. Eh ben, le colosse, on a eu le colosse. Allez. Joël, derrière. Merde. Fais chier. Oh, putain de merde. Comment ça? Non, mais... Oh. La question que je me pose, c'est est-ce que je prends du soin maintenant ou pas? Ou est-ce qu'il y en a un peu plus loin? On n'est pas à l'abri ici. Il y a une autre échelle là. Continuez, je suis derrière vous. Et merde. Voilà, il faut que je prenne du soin. J'ai pas trop le choix. On est bien sorti. Ok. Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée. On m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain de boulot... Ne mets pas Tess à ça. Tout ça n'a rien à voir. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Pas facile, pas facile, la vie. Dans ce monde post-apocalyptique. Bon, je voudrais bien me remettre de la vie, les gars. Hey,
Regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Oui, attends. Hop. Nom de Dieu. Encore des trucs à moi. Non, je vais me prendre un soin, donc, du coup. Alors comment on fait déjà? Tu devrais aller fouiller la maison, tu trouveras d'autres trucs utiles. Ouais, bonne idée. Je te remercie, c'est ce que j'allais faire, de toute façon. Ah oui, c'est un truc que j'ai pas amélioré, ça. Je te préviendrai. Ça marche. On fait comment pour aller à l'étage? Me dis pas qu'on peut pas aller à l'étage. Mais c'est une blague, y'a rien. Bon, alors écoutez, on va vérifier déjà si on peut améliorer. Non, je peux pas. Là, je peux pas non plus. Oh là là, c'est une catastrophe. Là non plus. Allez, c'est bon, on va pousser. Ok, c'est parti. Je m'attends au pire, là. Pousse la première. C'est déjà fait. Garde le pied sur l'embrayage. Et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Ils s'engueulent tous les deux, c'est pas formidable. Elle a un sacré caractère, la gamine. Vas-y, accélère. Parfait. Hé, bien joué, petite. Attends, je recharge. Et en plus, il y a une batte de baseball là. Oh, la petite musique flippante! Ah, ben, gentil, toi. Je suppose que ça va arriver de l'autre côté, je vois qu'on... Ah ouais, ça arrive de l'autre côté. Mais non! Attends, parce que là... Allez. T'as vraiment foutu ma journée en l'air. Tu sais ça, Joël, hein?
Merde! Ok, Ellie, prépare-toi. Vas-y, Ellie, démarre. Vite, dépêche-toi. T'entends ça, Bill? Ouais, ça veut dire que les oh là. Entendent aussi. Faut qu'on monte. Ouais. Moi, je suis monté direct. Dépêche-toi. Oh bah c'était la bonne idée. Quel soulagement. Ok, c'est bon. Stop. Laisse-la tourner, ok. Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie là-bas. Toi, tu vas y laisser ça. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Écoute, Bill, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quitte. On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Bon, il nous a bien aidé, le garçon, quand même. Ah, c'est désastreux, hein, comme... Tu devais pas dormir. Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspect. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Elle lui a piqué quelque chose, la vilaine. Quoi d'autre? Ben... Tiens. Ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Wow. Bon, c'est mieux que rien. Hein? Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Y a pas grand chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça. Je comprends pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut. Ok. Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Ouais, c'est quand même pourquoi t'es vieux. Je suis même pas fatigué. Oh, non, non. Ah, super. On fait quoi? Fais chier. C'est pas magnifique comme ville, hein. Oh là. Doucement. Pitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé.
Bah, il y a eu des dégâts. Ça va, je vais bien. Alors descends vite. Oh là 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 là. Oh là là. Ouf, ouf, par contre ça fait mal ça. Si tu l'enlèves, t'es mort. Je vais t'apprendre. Oh oui, quel coup de pied. Mes aïeux. Putain de merde. Allez. Qu'est-ce qu'ils tournent pas rond chez eux. Reprends. On s'en va. Ok. Attention! Baisse-toi! Non, mais je fais n'importe quoi. Alors... Je suis bien en vie. Bah, je crois que j'en ai fini avec vous, les gars. Bon, je crois qu'on les a tous eus. Ça va? Ouais, je crois bien. Tant mieux. Parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Ok, bah écoutez, les gars, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche également. À bientôt!